Un, un rêve éveillé. J'ai l'impression de, de vivre un je, 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 Alors je dis souvent, je vis, mon rêve, je vis un rêve. J'espère que je ne vais pas me réveiller tout de suite. Ce n'est pas qu'une impression, je suis heureux. Oui, oui, oui peut-être que c'est ça ma, 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 ma recette, c'est d'occulter tout le, le négatif et oh. les choses qui peuvent me déranger ou m'envoyer dans une grande berge un peu trop, euh, trop noire. Oui, c'est les mêmes réalisateurs. Je l'espère, je le souhaite, je le souhaite fortement parce que c'est vrai que je suis très fier de ce film-là. C'était un défi pour euh, Eric Toledano, Olivier Nakache, les deux réalisateurs. Et voilà, il y avait une notion de défi pour mmh. nous tous. Eux, c'était de, de, de raconter une histoire un petit peu plus dramatique. Euh, de raconter aussi une histoire d'amour. Ça, il ne l'avait pas encore fait. Et pour moi, de jouer un personnage comme ça, qui est très loin... De, de ma nature et de ma personnalité, ce personnage de Samba. C'est ma première histoire voilà. d'amour au cinéma, oui, pas dans la vie. C'était euh, <laughs> très instructif. J'ai eu beaucoup. Euh, C'était le plus difficile pour moi à jouer, vraiment, vraiment, parce que je suis très pudique. Oui, je suis assez limité là-dessus. Ouais, c'est ma pudeur. Là, c'est aussi mon éducation. C'est le fait aussi d'être. Euh, mes parents sont encore en vie. J'ai envie que mes parents mmh. voient les films, mais je suis aussi père. J'ai envie que mes enfants voient les films, Et puis aussi un respect par rapport à mon épouse. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Merci. Ouais, je suis content d'entendre ça. C'était, 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 c'était l'ambition en tout cas. Et je suis content d'entendre ça. Ouais, il fallait, il fallait qu'on y croie sur une histoire comme ça avec un sujet pareil. Il fallait être très réaliste. Donc, euh, donc, si vous y croyez, c'est que c'est plutôt réussi. Tant mieux. <laughs> oui, c'est tous les petits trucs. Ouais. Alors ça, c'est, euh, oui, ça, ça fait partie de de tout le réalisme, mais c'était ça aussi qui me touchait. De vivre avec ça, en fait, de vivre avec euh, la peur au ventre, mmh. de marcher dans la rue, avec euh, une peur qui, qui pousse jusqu'à la paranoïa, où chaque regard devient quelque chose de, de suspicieux ou qui nous met de plus en plus mal à l'aise. Je suis euh, un garçon tellement libre, mmh. tellement bien dans ma peau, que c'est difficile pour moi d'imaginer une vie comme ça. Donc c'est pour ça aussi que ce personnage-là me touchait. Et pour le travail, parce que c'est aussi un film sur le travail, la relation au travail, il y a le personnage d'Alice qui, elle, a abusé de son travail. qu'elle était cadre, et dans une, dans une boîte de com' où ça, où ça devait bastonner, bastonner, elle a fait un burn-out. Elle en a trop abusé, elle a grillé sa vie, elle s'est grillée un petit peu. Et elle devient euh, travailleuse sociale, elle va, elle va pour une association, et là, elle rencontre Samba, Bien sûr, c'est bouleversant parce que euh, qu'en même temps, on apprend des choses. On apprend des choses et on découvre une autre façon de vivre, autre, d'autres problèmes. Il est prêt à faire n'importe quelle tâche, des tâches vraiment ingrates, les tâches ingrates de la société. Il est prêt à les faire, c'est un vrai sacrifice. Ouais. Moi, j'ai un travail que j'aime, je me lève le matin pour aller travailler, c'est un bonheur. Tout comme vous, on est des vrais privilégiés. Ouais. Ça aussi, ça, 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 ça bouleverse. Et puis, ça nous permet aussi de relativiser sur notre vie. Ça nous, ça nous donne un autre regard sur notre propre vie. Je ne sais pas, c'est le mien. Je ne sais pas si c'est hors norme, mais c'est le mien, en tout cas. Et, euh, ils sont fiers. Ils sont fiers aujourd'hui. Ils sont très contents de voir ça. Ils sont très contents que la, de, de l'amour qui m'est porté. Euh, c'est agréable. et C'est agréable pour tout le monde. Sauf quand je suis mal coiffé. Elle me dit vachement. C'est une réalité. Le film n'est que le, le reflet de ce qui, de, de ce qui se passe. Bon, C'est plutôt les réalisateurs avec ce film-là qui, 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 qui n'essayent pas de, 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 de faire un, un tour de passe-passe. Ouais. Il, il racontent les choses telles qu'elles se passent. Et effectivement, il y a des gens qui vont garder leur opinion et d'autres qui vont changer. Mais le film n'est pas là pour ça. Ben oui, parce que justement, c'est justement ça. On me dit, est-ce que vous, est ce, est, euh, est, ce film-là est un acte politique Non. Ce sont des garçons euh, intelligents et surtout euh, qui, qui sont très, très proches de la réalité. Ils travaillent beaucoup leur sujet. Mais quand on vous invite et que vous déclinez une invitation parce que vous travaillez, ce n'est pas un lapin. Ouais. On est dans une société où la communication elle part un peu dans tous ouais. les sens. Et, et ça part dans tous les sens. Moi, je ne suis pas un spécialiste en politique, donc je n'ai pas envie de parler de politique. Ma place, c'est de faire des films. C'est ça mon métier. Donc je vais m'en tenir à ça. Je vais rester à ma place en, en espérant que tout le monde en fasse autant pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. J'ai eu une enfance très heureuse. En fait, moi, j'ai eu une enfance très heureuse. On s'est marré, on a fait plein de trucs très intéressants, très enrichissants très Jeune, surtout qu'en plus ça a les années 80, donc ouais. euh, c'est tout nouveau pour, pour certains français. Donc il faut apprendre à se connaître aussi. Donc euh, si on apprend à connaître, on peut aimer, et c'est d'ailleurs ce que dit le film. On sait bien que c'est une, une danse et qu'à un moment donné la musique s'arrête. Donc... Mais en fait, ça n'arrive pas comme ça. Ouais. Bien sûr, c'est euh, autre chose de grandir comme ça. C'est vrai que j'ai eu, eu un petit déclic quand j'ai, euh, après, euh, après Intouchable, que j'amenais mes enfants à l'école. On vivait dans un petit village de la banlieue parisienne. Et c'était un problème pour moi. L'école, c'est leur endroit, c'est leur environnement, c'est là où ils s'épanouissent, c'est là où ils grandissent. C'est que même quand ils rentrent de l'école et je dis raconte, s'ils veulent pas raconter, c'est leur droit. Je suis habitué à ça, mais c'est bon signe, ça aussi. C'est des bons signes, ça veut dire que, que c'est que, que là, que ça marche, que, que pour l'instant, l'atmosphère est pas mal. Oui, on sent bourgeoise, mais ouais. c'est bien d'avoir un j'ai Je n'ai pas ouais. tenu un touchable pour mon bourgeoisé. <laughs> euh, j'ai fait de la télé, j'étais à Canal+, forcément. Euh, Je suis resté en banlieue, mais j'ai choisi une autre banlieue pour, euh, pour ma famille, forcément. Bah oui, c'est ouais. moi, c'est ma famille, c'est moi, en ce que je fais, ça a des conséquences pour eux. Ce qu'ils font, ça a des conséquences sur moi. C'est un, un noyau. Euh, plutôt gentil, ah, plutôt ouais. sympa, souriant, euh, bon élève. Ben, J'essaie d'être ah. moi le plus possible. Oh, ouais. euh, les choix, c'est ça. Quand on a le choix, il euh, y a aussi le choix de dire non. non ce qu'on a, qu a vécu ensemble, ce n'est pas anodin. Donc forcément, on y est, on est lié par quelque chose. Ouais. Ouais, je pense que j'ai été chanceux, ouais, que je le suis encore. Mais aussi, je crois que la chance, il faut savoir la reconnaître. On a des humeurs changeantes, on a des envies différentes chaque jour. Ce qu'on veut aujourd'hui, on ne le voudra peut-être pas demain.